بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ اليوم كملنا ليكزامان ولا ليكزامان بلون ولا الامتحان التجريبي تاع لي 5 ابي. هذا هو السوجي اللي حضرته للتلاميذ نتاعي، واليوم بغيت ندير معكم لا كوريكسيون الا كومبوزيسيون دو بروميي تريمستر. لو شامو، لو شامو ايت ان انيمال دوميستيك، il vit dans le désert. Il mange de l'herbe et des épineux. Il peut rester plusieurs jours sans boire et sans manger. Il peut vivre 50 ans. Ça veut dire 50 ans et 50 ans. Le chameau a un long cou, virgule, de grosses bosses, virgule, de petites oreilles et de grands yeux ronds, d'aéria. Il est un moyen de transport. Il transporte les gens et les bagages dans le désert. Très bien. Alors, compréhension de l'écrit sur 6 points. Il y a une à la cité de Nekat. Damon, la compréhension à la cité de Nekat. Soual Aoul. Dans ce texte, l'auteur, il y a une al-Ketib ou al-Mu'allif. Alors, l'auteur présente un objet, un animal, un lieu. Alors, de quoi on parle dans ce texte? Donc, le titre a bien le chameau. Donc, c'est quoi? C'est un animal. Donc, je choisis la réponse 2. Donc, c'est un animal. Voilà. Alors, où vit le chameau? Aïna yaïchou al-jamal. Alors, daïman telmin goulum tibba le verbe vivre. Alors, le il vit. Donc, il c'est le chameau. Il vit dans le désert. Donc, elle dit dans le désert. Il vit dans le désert. Elle dit à la réponse. Très bien. Relève du texte un adjectif qualificatif et un adjectif cardinal. Les adjectifs qualificatifs, on a besoin, car c'est fait. Long, petit, gros, rond. On a beaucoup. Petit, grand, rond. Voilà. Grosse, Nayandi, par exemple. Domestique, c'est un adjectif. Voilà. On a encore long. C'est un adjectif qualificatif. Petite, c'est un adjectif. Grand, c'est un adjectif. Rond, c'est un adjectif. Voilà. Donc, il y a deux les adjectifs qualificatifs. Alors, on a par exemple, les adjectifs qualificatifs. On dit par exemple, domestique. Alors, on a dit, alors, adjectif qualificatif. On a dit un adjectif cardinal. Cardinal, tu as l'arqam. Cardinal et qualificatif. Qualificatif, on a dit par exemple long. Par exemple, on a dit grosse. On a dit petite. Il y a deux langues qui nifent le texte. Domestique. Donc, Hadouga, c'est des adjectifs. Pardon, domestiques avec E à la fin. Alors, adjectif cardinal. Nadeli, il peut vivre 50 ans. Alors, 50, c'est un adjectif cardinal. Nadeli, 2, c'est un adjectif cardinal. 1, c'est un adjectif cardinal. Donc, l'idéal 1, c'est juste. L'idéal 2, c'est juste. Ou l'idéal 50, c'est juste. Voilà, on dit 1, on dit 2, on dit 50. Donc, c'est des adjectifs cardinaux. Il y a les voilà. Alors, pardon. Donc, on relève du texte un adjectif qualificatif. Ça y est, il y en a de la grosse, ou la long, ou la domestique, ou la voilà, grand, ou la rond. Donc, c'est des adjectifs. C'est fait. Cardinal, on dit par exemple 50, cardinal, on dit 2, on dit 1. Très bien. Souligne le groupe nominal sujet, entoure le verbe et encadre le CCL. Il vit dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'on va battre la phrase? Il vit dans le désert. Attention, il y a un risque de catastrophe entre les élèves. Mais elle m'a affouché, voilà, le groupe nominal sujet 5e AP, donc... On a donné pas mal de fois. Alors, là, il, Géloli, sujet, je souligne le groupe nominal sujet. J'entoure le verbe, c'est le verbe vivre, c'est un verbe du troisième groupe. Pour trouver le CCL, on pose la question où, Aïna, où vit le chameau?
Il vit dans le désert. Dans le désert, c'est le CCL. Mais je dis le dans wahada ou le désert wahada. Parce que le tenekita ou le akhta. Dans le désert, c'est la guerre CCL. Vie, c'est le verbe vivre. Ou il, c'est le groupe nominal sujet. Donc, à dire. Alors, là, on a fait la quatrième question. On passe au numéro 5. Mais au féminin. Il est acteur. On a chalit les points il ou chalit les points acteur. Parce que il a des redouha féminin ou acteur tenhi a des redouha féminin. La même chose, un mécanicien a des redouha féminin. Donc il est acteur. Voilà. Il est acteur. Alors il se touli, elle. Elle est actrice. Elle est actrice. Très bien. Alors, un mécanicien, on a le féminin avec IA, alors un se touli, touli une. Donc un, touli une. Ou mécanicien, mécanicienne, je double le N et j'ajoute le E, c'est la marque du féminin. Donc voilà, dire. Un mécanicien, une mécanicienne. Très bien. Alors, là, il touli elle. Elle est actrice. Voilà. Un mécanicien, une mécanicienne, deux N. Une mécanicienne, deux N, E, à la fin. Très bien. Alors, conjugue au présent de l'indicatif. Peut-être comme vous ou je. Donc, on va les prendre en personnel. Peut-être que le verbe choisir et le verbe manger. Le verbe choisir, deuxième groupe, et le verbe manger, c'est un verbe de premier groupe. Alors, on dit le verbe choisir. On dit le verbe manger. Alors, là, on dit un verbe à premier groupe. On dit un verbe à deuxième groupe. On a qui bon salfou d'aimen, n'gla ou l'infinitif. Là, qu'un deuxième groupe, n'gla la IR. Ou le premier groupe, nous allons ER. N'attendez-vous. Alors, c'est quoi la terminaison? C'est vous choisissez I2S, EZ. I2S, EZ. Voilà. Le verbe manger. Alors, attendez-moi, je mange E à la fin. Je mange E à la fin. Quand on dit ENT, c'est faux. Je mange E à la fin. Alors, vous choisissez I2S, I2S, EZ. I2S, EZ. M'chi I2S, wahda, 2S, EZ. Voilà. Ah, nous allons à la production écrite. Production écrite, maintenant vous avez le choix. Rédige un petit paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire ton animal préféré. N'oublie pas de donner un titre à ton paragraphe. Qui goûte le gâteau un titre, l'iglali le titre. Ça veut dire que la yurkus, ton kus la noctat à la production écrite. Et utilisez le présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier, il y a il ou la elle. Il a goûté que la gazelle, radindilo elle. Ou le goûté le lion, radindilo il. Voilà. Aide-toi de la boîte à outils suivante. Peut-être comme la gazelle, le loup, le lion et la girafe. Il y a les ouges, tu as deux animaux mâles ou deux femelles. Il y a les ouges, moi d'accord, les ouges, moi net. Les noms, l'herbe, la viande, là, le cou n'est pas là. Le cou, c'est un peu le tableau. Le cou, la queue, les cornes, la crinière, sabot, museau, pattes, poils, forêt, désert et savane. Mais en gros, j'ai des difficultés normalement pour l'écriture. Malgré tout ça, on a côté l'invité, on a la boîte à outils, il y a gal les noms, ou gal les adjectifs, on a des fautes pour l'écriture. Je ne sais pas pourquoi, parce que les verbes, on dit vivre, se nourrir, être, avoir, manger et habiter. Le verbe être ou avoir, on est obligé de le mettre dans une production écrite. Maintenant, je vous dis le verbe être ou avoir. Vous comme avoir, qui me brinde comme mukawinet le jism, les composants du corps. Par exemple, il a deux grandes oreilles, il a quatre pattes, il a une longue queue, il a un long cou, il a deux yeux ronds, etc. Donc, là, c'est le verbe avoir. Le verbe être, c'est qu'affaire. La description, il est marrant, il est domestique, il est herbivore, il est carnivore, il n'y a pas. Bien sûr, les adjectifs. Quand il me dit qu'on a des adjectifs, il y a des adjectifs qualificatifs. Alors, moi, les adjectifs qualificatifs. Donc, je vais donner le texte, je vais donner l'arf.
Alors, là, on dit sauvage, on dit flotex, on dit domestique. Domestique, c'est un adjectif qualificatif, c'est le contraire de sauvage. Lent, marrant, petit, rapide, dangereux, malin, fragile, herbivore et carnivore. On a comme ça, on a voilà. Donc, on a domestique, on a. On dit, par exemple, petit, on dit petit. Lent, on dit lent. Et maintenant, le texte, on a. C'est les adjectifs qualificatifs ou les adjectifs cardinaux, c'est les numéros. Alors, hajata al-arqam. Très bien. Alors, on a la gazelle, le loup, le lion et la girafe. On a des lignes hajado, mais on dirait par exemple le lion. On dirait ma'abad. On a dit la boîte à outils. La hajada ou la ligale ou l'idira, ou le titre. Ou le titre, mais il y a majuscule, bzef telamide, l minuscule, donc c'est faux. Le lion, nibda bel majuscule. Alors, nous les satres, on écrit le lion. On a fait avec le lion, ça dit le verbe être. Est un animal. Est un animal sauvage. Sauvage. Et carnivore, et qu'il est le homme. Délire la gazelle est un animal carnivore. La gazelle est un animal herbivore, attention. Et carnivore. Voilà, qui est le mot la hadat, ou qui dit le face là, ou l'un dit le nocta, manche à fin télémide. Après la virgule, toujours un des minuscules, ou après le point, c'est la majuscule. Alors, on a donné le verbe être. Le lion est un animal sauvage et carnivore. Point. Le lion, c'est un dire il. On le verbe majuscule parce que dès le point, il se nourrit, le verbe se nourrir, it à la fin parce que il se nourrit de la viande. Il se nourrit de la viande. Voilà. Virgule. Il a une crinière. C'est comme crinière. Donc, il a une crinière et quatre pattes. Par exemple, et quatre pattes. Albatou, aljou. Point. Il vit, yaïchou, c'est le verbe vivre. Il vit dans, pas dans le désert, mais dans la savane. Dans la savane. Il vit dans la savane. Point. Sa femelle, les maris disent sa femelle par exemple, comment elle s'appelle? S'appelle, c'est comme le verbe s'appeler, mais malgré tout ça, j'ai trouvé des élèves, vous me dites, la femelle, comment elle s'appelle? Parce qu'on a fait ça durant le premier projet, donc donner le verbe s'appeler, c'est un verbe pronominal. Sa femelle s'appelle la lionne, c'est un plus, bravo pour les élèves. Et. Son petit, les adjectifs possessifs, son petit est le lionceau, E-A-U à la fin. Qui connaît, ouais, on dit E-A-U, qui connaît au pluriel, on dit E-A-U-X. On dit les petits, on dit les lionceaux, E-A-U-X à la fin. Alors, c'est le roi de la forêt. Yani huwa maliku al-raba. Point d'exclamation. Voilà. Alors, naoudou, le lion. Donc, là, c'est le titre. Gelouli dit le titre, dit le titre. Naoudou, le lion est un animal sauvage et carnivore. Il se nourrit, haoul verbe zeouj, de la viande. Il a, le verbe avoir, une crinière et quatre pattes. Il vit, haoul verbe. Dans la savane. Sa femelle s'appelle, s'appelle la lionne. Et son petit est le lionceau. C'est le roi de la forêt. Bon, là, et il faut suivre la boîte à outils ou il faut suivre aussi la consigne. N'oublie pas de donner un titre au temps paragraphe. Un titre, un titre, utilisez le présent de l'indicatif. Alors voilà les verbes. Le verbe vivre, se nourrir, être, avoir, manger et habiter, ça le forme au présent de l'indicatif. On a délié les verbes du premier et deuxième groupe, plus le verbe être et avoir au présent de l'indicatif. Alors,
La troisième personne du singulier, il y a il ou la elle, à l'exception du chayawan. Lequel chayawan masculin ou bien pardon, mâle, mudhakkar, qui met le lion ou le loup, on dit il. Ou lequel la gazelle ou la girafe, on dit elle, à l'exception du chayawan. Alors, donc aide-toi de la boîte à outils suivante. Donc, peut-être comme les animaux, vous choisissez l'animal que tu préfères. Artistes comme les noms, les herbes, la viande, le cou, la queue, les cornes, etc. Donc, il y a un animal qui a la crinière, le lion. Qui a la queue, les cornes, la gazelle, par exemple. Le museau, presque tous les animaux ont le museau. Par exemple, les sabots. La gazelle a les sabots. Voilà. Même la girafe a les sabots. Le loup et le lion ont des griffes. Alors, on s'arrête les verbes. On dit les adjectifs qualificatifs. Il y a le goût de marron. Il y a le lion, la girafe et la gazelle ont la couleur marron. Il y a le goût de sauvage. Les animaux, comme c'est des animaux sauvages, même la gazelle, c'est un animal sauvage. La gouna herbivore, la gazelle ou la girafe. La gouna carnivore, le loup et le lion. Kul hayawan ou chendelou l'adjectif ou le nom ta'a, mais je connais une production correcte, production écrite correcte. L'écriture entre comme le point ou la virgule, d'aimen après le point, même bas de nocta, même bas de nocta. هذه دائما نقولها للتلاميذ نتاعي كي نديروا ان بوين ابري لو بوين ابري لو بوين ما نديرش مورا النقطه شنو نديروا ايل ماجيسكول و ابري لا فيرغول ندير ايل مينيسكول يعني ابري لا فيرغول عندي مينيسكول و ابري لو بوين عندي ماجيسكول هذه قاعده ماشي دير لي بوين ودير لي مينيسكول نو سي فو ولا دير لي فيرغول ودير لي ماجيسكول سي فو فوالا Donc, c'est ça, c'est une conseil que nous avons la production écrite. Moi, la boîte à outils, elle a tout. Il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit dans les calimètres, dans la production, et qu'il soit dans les conseils. C'est un endroit où nous avons l'autre qui nous a dans le cas. Bien sûr, fahme le soin, n'est-ce pas l'éjabat. Alors, on vous dit que Allah vous fasse le jami'a. Jumu'a Mubaraka et au revoir.